On va commencer avec Git et GitHub. Alors, juste, je vais juste souligner un petit peu la définition de Git. Il s'agit bien d'un outil de version ligne et de collaboration. Version ligne et de collaboration. Et de. Je ne sais pas trop, j'y ai deux. Collaboration. Alors, donc, on va zoomer un petit peu sur version ligne, ça veut dire quoi? Version ligne. Et la collaboration, ça veut dire quoi? Alors, le versionnaire, nous sommes. Alors, le versionnaire, c'est quoi? Le versionnaire, ça veut dire que à tout moment, je peux revenir soit en arrière, soit en avant, à une version dans une date X du projet. Okay? Ça veut dire, ça c'est le timeline. Okay? Voici la version qu'on a développée, jour X, date X. Ça c'est le projet, date Y. Ça c'est le projet, pas Z. Le versionnaire, ça veut dire que je suis ici. Mais je peux revenir ici. Ou bien je peux revenir ici. Et une fois que je suis ici, je peux revenir ici ou revenir ici. C'est ce qu'on appelle le versionnage. Maintenant, concrètement, comment ça marche? Comment on pourra implémenter ce versionnage? Alors, je suis en train de travailler dans mon projet. À la fin de la journée, je vais faire ce qu'on appelle un commit. Donc, un commit permet de créer un nœud. Le nœud, c'est concrètement c'est quoi? C'est vraiment le projet dans sa globalité, stocké dans ses caches. Par la suite, j'avance. Le jour postérieur, je vais faire un autre commit. Ça va créer un autre nœud. L'autre nœud, c'est quoi? C'est vraiment le projet dans sa globalité, stocké dans un dossier caché qui s'appelle point.git. Genre, ça c'est x, x plus 1, x plus 2, jusqu'à un x plus n. Alors, l'ensemble de ces nœuds, ça s'appelle un branch master. Le dernier nœud dans le timeline, ça s'appelle un heap. Et à chaque fois, je vais faire un commit pour créer un nœud. Ça sera un point de restauration pour revenir en arrière. C'est le point de restauration. Ça marche. Donc vraiment, ça, c'est équivalent à ça. Okay? Maintenant, c'est quoi la collaboration? La collaboration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs collaborateurs. Peuvent fusionner leurs tâches dans une seule version du projet. Ça veut dire que la collaboration permet à plusieurs collaborateurs de converger vers une seule version du projet. Okay? Donc ça, c'est le premier collaborateur, c'est un. Deuxième collaborateur, c'est deux. Concrètement, ça c'est le concept en détail. Le collaborateur numéro 3, okay. Chacun il a son propre PC. On va l'appeler local repository. Ça veut dire qu'il a son espace de travail propre à lui. Local repository 1, local repository 2, local repository 3. Okay. Donc, dans un premier temps, le premier collaborateur va créer le projet. Il va l'envoyer vers un remote repository. Le remote repository, c'est un répertoire qui sert à synchroniser entre les différents local repository, entre les différentes versions du projet. Okay. Donc le remote repository, donc il va créer, il va par la suite faire un push. Okay. Donc il va envoyer push, va envoyer le projet nouvellement créé dans le remote repository. Le remote repository, ça s'appelle GitHub. Par la suite, les deux collaborateurs vont récupérer via soit pool, soit clone, c'est la même chose. Okay. Pour le clone. Okay. Par la suite, le deuxième collaborateur va faire sa tâche. Ça, c'est le projet. Il va y ajouter sa tâche T2. Une fois que c'est fini, il va faire quoi? La règle générale, c'est quoi? Un, commit. Deux, pull. Et par la suite, push. Toujours c'est ici. Commit, pull, push. Okay. Donc, il va faire un commit. Donc, il va créer un autre sauvegarde. Il va faire un pool. Pourquoi un pool, sachant qu'il n'existe rien? Parce que tout simplement, éventuellement, il y a un collaborateur qui a fait une mise à jour ici. Donc il faut récupérer la mise à jour. Via quoi? Non via clone, mais plutôt via pool. Clone, au départ, c'est la même chose que pool. Clone, ça permet vraiment de cloner les projets, c'est tout. Mais à chaque fois que vous voulez la récupérer, c'est plutôt push, c'est plutôt pool. Donc il va faire, dans un premier temps, commit. Par la suite, pool. Donc une fois qu'il va faire un pool, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, puisqu'il n'y a rien de nouveau ici. Mais en fin de compte, ils vont faire un push. Troisième étape. Donc, on aura un push ici. Donc, ici, on aura
le projet d'origine plus la deuxième tâche qui a été faite par le deuxième collaborateur. Par la suite, le troisième pas, en parallèle, le troisième collaborateur était en train de faire sa tâche. C'est la tâche numéro 3. Il va faire quoi? Un commit. Commit toujours. Commit pull push. Commit pull push. Par la suite, il va faire quoi? Un pull. Ah oui, en pull, il existe une mise à jour. C'est le T2. Git va faire quoi? Il va fusionner T2 avec T3. Dans quoi? Dans le nœud canal pistolet de 3. Donc on va voir un pull. Par la suite, maintenant, la fusion a été faite. Dans le nœud canal pistolet de 3, il doit faire un push pour envoyer la fusion au remote pistolet. Donc, on doit avoir un push. Et si on aura T3 avec T2. Comme ça, vraiment, le remote pistolet, ça veut dire GitHub, à chaque fois, il contient la dernière version. Si maintenant T1 veut travailler et exécuter sa tâche, il doit tout d'abord faire un commit. Par la suite, un pull. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Le projet d'origine, T2, T3, il va y fusionner avec quoi? Avec T1 qui a été fait par le collaborateur. Hein, il va fusionner tout et par la suite faire un push. Donc c'est comme ça qu'on va faire ce qu'on appelle la collaboration. Alors maintenant on va voir le plugin de GitHub, GitHub. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord créer un compte sur GitHub. C'est facile, il suffit de rentrer dans GitHub et créer un compte, login, mot de passe, etc., etc. Et par la suite installer le plugin de Git. Si on est dans Eclipse, si on est dans Netbeans, le plugin est déjà là. Okay, c'est pas la peine de l'installer. Comment? Il suffit d'aller sur Eclipse Marketplace, écrire Git, installer le premier plugin. Merci.